Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Rétro. Déjà le 7ème. Déjà le 7ème. Oui, on en a l'épisode 7. Bah putain. Alors bienvenue. Aujourd'hui on est sur Disruptor, un jeu de la PlayStation, un jeu de FPS de la PlayStation. Et alors tu connais pas ce jeu, c'est ça toi? Ouais, les deux seuls FPS que je connais sur PlayStation, c'est Doom et Duke Nukem. Eh bah très bien, alors tu vas découvrir ce que c'est que Disruptor. En fait c'est un de mes jeux de la PlayStation préférée avec effectivement Doom. Duke Nukem j'ai un peu plus de mal, mais Doom j'adore ça. Enfin bref, c'est parti, on y va. Bien, alors j'espère... tiens, tu veux le son? Bon, tu te moques un embout là. Ouais. Eh ben c'est pas grave. Tiens. Donc, ce jeu, oui, Insomniac Games, les mêmes qui ont fait Spyro et comment ça s'appelle là? Ratchet & Clank. Ratchet & Clank, j'allais dire Crash Bandicoot, mais non, ça c'est... L'image que vous voyez là, c'est un peu des problèmes d'émulateur, je sais pas grand chose, c'est comme ça. Vous inquiétez pas, le jeu, c'est les cinématiques qui sont un peu comme ça, un peu décalé de l'écran. Et sinon le jeu est totalement beau et bien fait. Quelle année ce jeu? On n'a aucune idée. Bon, on va pouvoir directement partir. Ça se montre normal, on va se montrer normal. Et voilà. Non. Voilà. Il y a absolument un nom. Bah voilà un nom. Et qui a babe? L'audinge. Alors vous allez voir, les cinématiques sont en FMV. Et oui, les cinématiques sont un peu bébés. Ah mais si, je le connais ce jeu, Disruptor. Nous allons entrer dans le 23ème siècle. Et grâce à la politique de monarchie. Mais si, tu me l'avais montré, Disruptor. Mais la colonisation de notre système solaire ne se fait pas sans aide. Comme vous le savez, démonter le micro. J'ai moi aussi été un combattant. Cela remonte à quelques années, bien sûr, et nous n'étions qu'au début de la mise en place des armes psioniques. Mais mon expérience sous l'uniforme m'a apporté le sens de l'honneur, de la loyauté et du courage. Si vous sortez vivant de l'entraînement des combattants, vous porterez l'énorme responsabilité de défendre la démocratie planétaire jusqu'aux limites de notre univers. Et qui sait, peut-être qu'un jour vous vous retrouverez assis derrière ce bureau comme président de l'Union Terrestre et commandant en chef des forces des combattants. Très bien, petit frère. Si tu veux, il est encore temps de changer d'avis. Je n'ai pas terminé dans l'équipe. C'est bien foutu quand même, hein. Bon, après, là, il y a le mec de cinématique quand même. C'est un peu chiant. Imagine voir ça dans les années 90. Genre, t'allumes ta console et t'as genre une sorte de mini-film. Oui, mon capitaine. T'as des vrais acteurs. Ouais. Ton travail est simple. Traverser cette zone. Et le but est d'en sortir en vie. Et lui, qui est-ce? Le premier de ta promotion. Troy Alexander. Il a l'air de s'en sortir plutôt bien. Qu'est-ce que tu en penses? On va m'implanter un psionique? Pourquoi le gouvernement gaspillerait-il de l'argent en implantant une arme? Sinon tu recadres avec Phil Moral. Non, pas besoin. Tu n'as pas les capacités mentales d'échapper à quelques androïdes nerveux. Je m'en voudrais toute ma vie de t'envoyer sur une mission. Surtout, n'oublie pas, pense vite, tire vite et reviens vite. C'est vrai qu'on fait plus ça de mélanger... Je crois que c'est un film à la base. Disruptor? Disruptor, il me semble que c'est un film à la base. Je suis pas sûr. Avance doucement et prends un grand bâton. En particulier lorsque tu as un angle de rue. Et tout se passera bien. Mais tu me l'as déjà montré ce jeu. Bien! Alors on peut jouer comment? On peut jouer au joystick, quoi. On va jouer comme on veut. Donc! On est donc du coup sur un FPS de la PlayStation, c'est-à-dire que voilà. Attends, je peux pas contrôler avec le joystick. Non. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas comme aujourd'hui où on peut. Aujourd'hui, les FPS, et on peut voir un peu partout. Là, en fait, c'est juste tu bouges la caméra sur un axe. De droite à gauche, quoi. Ouais, de droite à gauche. Pas de haut en bas. Voilà. Alors, triangle, je crois. Ah ouais. Donc. Bon, c'est un FPS totalement normal, c'est juste un peu de la science-fiction.
où t'incarnes des gens qui contrôlent les psioniques. C'était beaucoup. Les FPS, ça a toujours été ça, en fait. Ça a toujours été ce truc où tu dois buter des aliens par centaines, des monstres. C'est ça le cœur des FPS. Puis même Doom, le tout premier FPS, tu avais déjà ce délire de l'extraterrestre. Même du Kukem. Ah. Hop. On va aller là. Oula. Doucement, monsieur. Doucement. Alors là, c'est quoi? C'est une phase d'entraînement? Non, c'est un tuto. C'est vraiment un tutoriel. C'est vraiment un niveau facile. Parce qu'il y a vraiment des niveaux qui sont compliqués dans le jeu. On sent quand même que les mecs se sont inspirés de Doom. On sent un petit peu l'inspiration. Ah, attends, c'est pareil. Je sais pas si on m'entend bien là. Si, normalement oui. De toute façon, je montrerai le son au montage si jamais on t'entend pas bien. Alors. Donc. Ah, il y a une nouvelle arme là. Non, mais je crois qu'on a déjà bonus de vie inutile. On a déjà cette arme. Tu peux voir, ouais, après tu me laisseras la main pour que je fasse le niveau 2, comme ça que j'essaye. Tu fais le prochain niveau, ouais. C'est vrai que moi je suis pas trop un habitué des FPS. À la rigueur, je préfère les FPS un peu du style de Doom où tu peux juste te déplacer la caméra de droite à gauche. Là où les FPS les FPS modernes, j'ai un peu plus de mal avec les contrôles à la souris. C'est quand même bien foutu pour l'époque. Ouais. Tout ce qui est... Bon, après là, l'émulateur il est bien amélioré le jeu, à fond. Par contre, je pense que le jeu doit être plus postérieur à. Donc rien à voir avec les fesses. Il doit être postérieur à Doom parce que ça se voit, c'est peut-être un peu. On doit plus être vers 1900. Parce que Doom c'est vieux, Doom c'est 1993. Ouais, c'est ça, 93. C'était sorti sur Amiga à l'époque, ensuite il y a non, eu. Non, c'était pas sorti sur Amiga, c'était sorti sur micro-ordinateur. Ouais, micro-ordinateur, ouais, mais n'importe quel micro-ordinateur, ouais. C'était sorti sur PC. Après, quoi. T'as eu un portage sur le 32X de la Mega Drive. Donc okay, le 32X pour les jeunes qui connaissent. En fait, le 32X pour ceux qui ne savent pas ce que c'était un add-on, c'est-à-dire une extension qu'on plaçait sur la Mega Drive pour passer la Mega Drive en 32 bits. En 32 bits. C'est ça. Doom était sorti sur le 32X. Mais c'était vraiment de la merde. Et après t'as eu l'adaptation PlayStation et je crois qu'il était sorti sur sur 3DO je pense aussi, non, pour 3DO et Saturn, je pense toutes les 3DO il a pas du tout. Non, c'est 3DO c'est un émulateur arcade à la base. C'est une console arcade à 3DO. C'est pas la Neo Geo, je confonds pas comme Neo Geo. Si, mais ça appartenait à Sony. Ah non, à Sega, non? La Neo Geo. Je sais plus. Ça peut-être. Il y a dû avoir une. Un Saturn, je pense, à l'époque. Enfin, je pense, je sais pas. Je crois pas. Je sais plus. Tiens, on a fait une casque. Tiens, voilà la manette. Donc je tire avec X, c'est ça? Ouais. C'est X, Y, et quel joystick pour le déplacement? Bah celui que tu veux. Okay. Soit les flèches, soit le joystick. J'aime bien le loading. J'ai la tête dans un étau. On dit que c'est le premier le plus douloureux. Dis-moi à ton père, il en a eu combien? J'en sais rien, 4 ou 5 je crois. Tous les psioniques du monde n'auraient rien pu faire pour lui lors de cette embuscade. C'est pourquoi vous devez toujours être sur le qui-vive. Et surveillez vos armes. La façon dont c'est filmé, ça, tu sens que ça a été filmé dans les années 90, parce que aujourd'hui, ça ressemblerait plus à... Ça aurait plus cette gueule-là aujourd'hui, les films un peu dans si on faisait des films un peu comme ça, science-fiction, tout ça, ouais. Aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un peu de mal avec la science-fiction actuelle... Enfin, les films de science-fiction actuels, je trouve qu'ils ont moins de charme que ceux des années 80-90. D'accord. Ça doit être un film des années 90, hein, si c'est un film. Mais... Tu vois, genre Source Code, bah j'aime pas du tout. Moi j'aime bien ce film. Bah, je sais que toi t'aimes bien, mais moi j'aime pas parce que ça fait trop science-fiction. Cette fois, tu vas affronter des ennemis organiques. Alors arrange-toi pour les traquer et les éliminer un à un. C'est trop science-fiction. Bref. Alors t'as un pionique normalement cette fois-ci, donc ça doit être rond ou carré, je sais plus. On déplace comment? Quoi? Merde. Ça
Tu sais, la manette a des problèmes de connectique maintenant, vu qu'elle est tombée trop de fois. Tu vois, bah, je suis désolé, hein, mais je suis désolé de la faire tomber, mais. Mouche! Ça, c'est le moustique tigre qui est de retour. Moi, j'ai des trucs, hein. Ah, t'as un fusil laser. C'était bien fait quand même pour l'époque. T'as un fusil. Ouais, mais après, là, ça améliore à fond l'accumulateur. Le truc un petit peu toujours, regarde, où tu sens que la PlayStation, quand tu t'approches des murs, tu vois les pixels. Tu sens que ça n'était pas encore parfait. Après, c'était révolutionnaire quand même pour l'époque. Hein. Bon, j'aimerais bien monter sur là. Moi, il y a un truc que j'aime bien dans les FPS, c'est le côté jouissif. Ouais, est-ce que tu montes là? Attends, oui, attends, va dans le petit maison là, qui est à côté de toi. Le petit maison. Ouais, la petite maison, pardon. La petite maison dans la prairie. J'y pense à la même chose. La petite maison dans la prairie radioactive. Non, c'est tire pas là-dessus, faut que. Non, tire ok, pas. C'est une mine. Non, non plus, c'est pas une mine, c'est un, c'est un chargeur. Ah oui, d'accord, j'ai. Scuse. Scusez-moi. Faut que tu montes sur la plateforme là, le tuyau là. C'est une plateforme, les enfants. Tu peux changer d'arme en pourquoi cliquant. Pourquoi je. Tu peux cliquer, tu changes d'arme en cliquant sur L1. C'est là. Désolé, hein, je ne suis pas très là. Habitué au. Ok, d'accord. Et là, tu changes l'autre. Et là, tu peux changer le psionique. Psionique, c'est. Bah là, t'as Ultra Shock. C'est un. Non, ça doit être rond ou carré, je sais pas. Comment que je change d'arme? Attends, je fais comment? Ah, comme ça, ok, d'accord. J'ai voilà. Et l'autre, c'est. Je crois L2, c'est pour changer de psionique. Moi, je voudrais garder ça. Là, c'est plan psionique et normalement, c'est rond, je crois. Ouais, c'est carré. D'accord. C'est carré, c'est pour c'est une énergie magique. Merde, pour, merde, shit, je voudrais sortir de cette. Je suis tombé. Comment je fais pour sauter? C'est mieux comment tu fais pour sortir de là. Mais t'as plus. Ah, c'est. Putain. On va recommencer. Espèce de noob. Vous êtes mort, il me nargue en plus, ce connard. Cette fois, tu vas affronter des ennemis organiques. Alors arrange-toi pour les traquer et les. Mais c'est la voix française de Bruce Willis. On dirait Bruce. Il me semble, ouais. T'as déjà vu toi Armageddon avec Bruce Willis? Non, mais il paraît que c'est un beau film. J'aimerais bien le voir, moi, Armageddon. Parce que déjà, j'aime bien Bruce Willis. Moi j'aime bien. Moi aussi, j'aime Bruce Willis, c'est un bon acteur. J'aime bien Bruce Willis dans Les Loups à la Smoky Pass. Ouais, bah ouais, pourtant, ouais, ce film là il est bien, mais. Moi j'aime bien le cinquième élément. C'est pas le film que je regarderai tous les jours en fait. Ouais, mais moi en fait, le cinquième élément, j'aime beaucoup ce film parce que déjà, il y a ce côté un petit peu. Tu sais, c'est la petite, le film un peu la fierté française, vu que c'est un film réalisé par Luc Besson. Luc Besson qui est un réalisateur imparfait, mais. Tu peux pas lui enlever le fait que le mec il a envie de faire des trucs ambitieux, montrer que nous les Français on peut faire des films ambitieux, plus ambitieux que les comédies de merde là, genre qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Je vais mourir, hein. Je sais plus comment on saute. C'est chiant. Des fois la maniabilité elle est un peu chiante. Le cri d'agonie est un peu. Déjà, ouais, cette fois tu vas affronter des ennemis organiques. Alors arrange-toi pour les. Bah, Doom c'est pareil. Hein. Le cri de Game Over il est assez. Il est pareil. Bon, cette fois on essaie de pas tomber dans les flaques de. J'ai failli faire la connerie. Les flaques de. De Nium, là. Les flaques de n'importe quoi Nium. Non, c'est pas ça. Pourquoi je change d'arme? Ah oui, d'accord. Tu l'as raté parce que tu l'as attrapé. Putain de merde. La maniabilité, alors je sais pas si c'est moi. Non, t'inquiète pas, la maniabilité elle est comme ça. Je la trouve un peu. Il y a eu des FPS qui ont eu le droit à deux joysticks sur la PlayStation, mais c'est tout putain, dernier. Hey, attends, c'est beaucoup trop sensible. Il suffit de frôler du poil de coutine comme il fait le vidéo dans sa vidéo sur Sonic. Pas le Sonic. Le Sonic sur Xbox là, le Sonic. Sonic Speed. Ah, voilà. Je suis mort. T'avais plus de vie. On va la refaire. Cette fois, tu vas affronter allez, ta gueule. Des ennemis organiques. Alors arrange-toi pour les traquer et les éliminer un à un.
Il joue dans Coupe, si Bruce Willis, il a joué dans Armageddon, il a joué dans le cinquième élément, Die Hard aussi, il a joué. Ah, je sais même pas ce que c'est Die Hard. Bah, Die Hard, c'est une. Alors, je connais deux noms et Die Hard, je sais pas trop de quoi ça parle. D'ailleurs, j'aimerais bien le premier Die Hard. Je sais qu'il joue dedans, Bruce Willis. C'est que c'est des jeux sur PlayStation, il me semble, les Die Hard. Non, Die Hard, c'est des films à la base. Oui, mais je sais, mais il y a des jeux sur PlayStation de Die Hard. Oui, je crois qu'il y a une. Bah, je crois qu'il y a une trilogie même sur Mega Drive. Je sais plus. Je vérifie. Voilà, Dieu. Bon, on va essayer d'utiliser le Psionic un peu comme on veut. Peut-être que ça pourrait être sympa. Tac. Ah, attends. Toi. Non mais il le fait exprès. Mais tu peux pas mourir. Si ça. Si c'est rompre au saut. Voilà. Virus 2. C'est comment c'est virus 2? It is Reware. Ce film, et c'est toi qui vas le développer. Virus. J'ai eu lui là, je l'ai vu. Tiens! Ah, comme qu'il y avait beaucoup de jeux sur PlayStation, il y avait beaucoup de jeux. La PlayStation, je crois que c'est la console qui compte le plus de jeux basés sur les films vraiment à chier. Mais pourquoi à chier? Il a pas l'air à chier. Non, j'ai dit la PlayStation, c'est vrai. Alors, le jeu est pas mauvais, hein, là, le distributeur. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux sur PlayStation, il y en a beaucoup qui sont adaptés de films et qui sont vraiment merdiques. Genre, tu prends le cinquième élément. Il y a quoi d'autre comme jeu vraiment super basé sur des films? Il y a genre Virus. Ça, Virus, c'est vraiment à chier. Le cinquième élément, par contre, faudrait qu'on le fasse, ça pourrait être rigolo à faire en café rétro. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Et surtout, peut-être dans les prochains jours, on évitera d'ajouter. Parce que là, ça fait deux jeux de PlayStation qu'on teste, vu que la dernière fois, on avait fait Medieval. Medieval était sympa d'ailleurs. Après, la majorité des jeux qu'on va faire, de toute façon, ils sont sur PlayStation, hein. Ça faut qu'on se le dise. Bah là, j'ai rajouté Mario Kart GameCube, qu'on fera je sais pas quand. Parce que, encore une fois, on a un programme aléatoire que j'ai fait sur Scratch qui nous permet de... Bah en fait, voilà, c'est pour voir quel jeu... Parce que comme ça, on sait jamais se décider, en fait. Donc, il y a un programme aléatoire. Donc là, on a le choix, donc il y a Mario Kart Double Dash, il y a Bubble... non, il y a un spécial arcade qui est prévu, après, faut qu'on... Ouais, mais il y a une liste incroyable de jeux, hein, c'est certain. On va afficher à l'écran, non, je déconne, parce que sinon on va tout vous spoiler. Donc là, c'est du plateforme de la PlayStation, donc ça pue la merde. Et d'ailleurs, le plan de caméra est un peu différent, mais c'est normal, si vous avez vu l'épisode de... Ah bah non, je crois qu'il est pas encore sorti l'épisode de BGE. Oh, oui, il est pas sorti l'épisode de BGE. Oui, parce qu'en fait, on a... Là, on est dimanche, et hier samedi, on a tourné l'épisode sur le nouvel épisode de BGE. Mais l'épisode de BGE sortira après cet épisode. Et oui, et du coup, le plan de caméra est un peu différent, c'est normal, c'est parce qu'on Tanguy a acheté un trépied, et que là, la caméra est posée sur la tour d'ordinateur. C'est ça. Ce soir, oui. Franchement, c'est beaucoup mieux d'avoir un plan de caméra comme ça, en fait. Ouais, ça change pas trop, je trouve, quand même. Ah, ça change pas des masses, hein. C'est mieux. C'est mieux, moi, je trouve. Ah, avec le fameux brouillard... De la PlayStation. Non, c'est Cowboy DJDG, c'est... Ce brouillard, ça porte un nom, ça s'appelle... J'ai pas eu le temps d'optimiser le moteur de mon jeu, donc je mets un pansement qui sort le vieux cul... Non, je mets un pansement qui sort le vieux cul pour... Non, je sais plus ce qu'il dit. Je mets un pansement qui sort le vieux cul pour pas qu'on tourne. Mon jeu tourne à 3 FPS et sortir le jeu quand même. Il me reste un psionique ou pas? Non, il me reste 0 psionique. Pour ça, c'est un peu, il me reste de la vie. Ah, j'ai plus de balles! Sérieux? Ça va, j'ai encore 50 balles de fusil laser. Et le rétro point, tu le sors quand déjà? Parce qu'il y a aujourd'hui, parce que non, du coup, oui. Vu qu'il y a eu ressort, tu sais que. Parce qu'on a tourné un rétro point hier, du coup. Parce que oui, c'est vrai que la chaîne était un petit peu ralentie ces dernières semaines.
Ah, il n'y a pas eu de vidéo, quoi. J'ai. Ils sont en train de me hacher la gueule. Ouais, ils rigolent pas, ces machins, hein. Putain, mais ils sont casse-couilles ces trucs. Bon, on essaie une dernière fois, puis après, je pense qu'on m'arrête parce qu'on a bientôt à. Organiques. Alors, arrange-toi pour les traquer. On est à bientôt. Je pense qu'on est bientôt à 20 minutes de vidéo. Moi, je trouve quand même la maniabilité un peu chiante. Bancale, quoi. Pas mauvaise, hein, mais juste un peu chiante. Par contre, tu vois, quand tu martèles le X, le bouton X, il y a un côté très jouissif. T'as jamais joué à Doom, toi. Si seulement on pouvait faire ça à toutes les bestioles qui viennent nous faire chier là. Doom il est jouissif. Pas le film, pas le jeu Doom de la PlayStation, Doom 2016. Ouais. Celui auquel que j'ai fait en live. Alors t'as déjà vu les films Doom de Paul W. Anderson? J'en ai vu un. J'ai vu celui avec The Rock, je crois. Ah c'est avec The Rock? Ah oui c'est vrai qu'il y a eu. Ouais, y en a un qui est avec The Rock. Ouais. Et t'as jamais vu les films Resident Evil de avec Mila Jovovich? J'ai vu le premier, qui était pas mauvais. Celui où ça se passe dans le hive là. Non. Le rond pour sauter rond. Non, il est possible d'en sortir, hein. Grue-toi, il est possible d'en sortir. Hein. Ah, quelle horreur. Mais putain. Mais. Tu vas mourir, hein. Voilà. Merci. Mila Jovovich qui baise avec le réalisateur. Qui était en couple avec le réalisateur. C'est sa femme. Oui. C'est la femme du réalisateur, Mila. Oui, je sais. Parce que tu baises avec le réalisateur. Ceux qui ont vu le JDG sur Resident Evil ont la rêve. Après bon, comme j'avais fait ma critique, hein. Mais toi t'avais fait Bienvenue à Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, en tant que film de zombies, c'est un bon film, en tant que Resident Evil, ça pue la merde. Ça respecte rien. C'est... Alors, je ne peux pas dire parce que je n'ai pas vu le Resident Evil. Je n'ai vu aucun film Resident Evil et c'est pas trop mon genre de film. Puis, les Resident Evil, déjà, je suis pas. Je dis pas que c'est des mauvais jeux, je dis juste que voilà, c'est pas trop ma cam. Peut-être que je peux utiliser le psionique, hein, si tu veux. Le quoi? Le psionique. C'est l'éclair là? Non, c'est carré, ouais, c'est ça, c'est carré. Bah non, mais. Éclair dans ta face! Bah, par contre, c'est le moins puissant, il y en a d'autres des psioniques qui sont beaucoup mieux après. Tu m'as dit que c'est comme ça qu'on parle de psionique? Ouais, là, c'est l'ultra-choc, là. C'est un peu comme dans BioShock. J'en ai qu'un là. Avec les mains là. Quand tu fais des seringues avec le cachemide. Dans BioShock, très bon jeu. Tu vas mourir, je crois. Hein. Il reste plus que 7 PV. Il est mort. D'ailleurs, c'est marrant que toi qui me dis souvent que t'as peur des seringues, ça te met pas ouais, mal. Ouais, c'est vrai que la première fois que j'ai vu BioShock. Attends, le elf là, je vais. Ça là. Ça te... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça te fasse. Le elf point. Le elf bonus. Le ce que tu veux bonus. Et je trouve ça bizarre que ça te mette pas mal à l'aise de bah non, mais la première fois que j'ai vu le jeu BioShock, la première fois que j'y ai joué, effectivement, la première fois que tu te prends la seringue pour le plasmide éclair, c'est vrai que ça fait froid dans le dos, mais bon, après. Mais BioShock, t'as un très bon jeu, hein. Franchement, il a le côté steampunk de la ville. Ouais, c'est ce que j'ai vu, il y a un côté steampunk. Bah, tu m'avais montré le début avec du coup l'espèce de cité sous-marine qui s'appelle comment déjà? Rapture. Rapture, voilà. Et le meilleur c'est le 2. Puis après il y a eu BioShock Infinite qui est beaucoup qui est moi, moins bon. Je vais où là? Faut que t'ailles. Attends. Faut que t'ailles là. Je sais pas. Je sais même pas combien de minutes de vidéo on est en fait. C'est là, je regarderai juste après si c'est un film ou si c'est un jeu adapté d'un film ou si c'est vraiment genre un. Ouais. Hop. Tiens. Le psionique comme il faut. Carré. Non, j'ai failli. Sors de là. Non, je veux pas mourir. Non, de sortir. Il est mort dans la porte. Dégage, espèce de bestiole de l'enfer du cul de Satan. T'as jamais joué à Daikatana? Non, pourquoi t'as déjà joué toi? Ouais. C'est bien ou de la pas? Merde. C'est de la merde, ouais. Je sais pas comment il fait pour exister ce jeu, c'est vraiment de la merde. Ouais, bah, en même temps, c'est Romero, hein.
Bah, c'est ceux qui ont quand même bien, fait. Bien, bah oui, Romero, oui, c'est quand même celui qui est à la tête d'Adi Software actuellement et qui a fait. Bah, quand non, même... il est plus à la tête d'Adi Software. Non, non, il l'était. Il l'était, mais non, mais genre, je veux dire que maintenant, il a dirigé quand même une entreprise, Adi Software, qui est. Oui, Adi Software, bah, c'est. Qui est les... quand même maintenant Doom. Bah, c'est les pionniers. Ah, putain, c'est les pionniers en la matière de jeux FPS, vu que c'est eux qui ont toujours eu Doom. Ils ont réalisé les Doom, les Quake, les premiers. Bah, qui sont techniquement les premiers. Bah, ouais, non, parce qu'ils voulaient sortir le. Non, Duke Nukem, c'est pas eux, hein. Non, Duke Nukem, c'est un autre studio, toi, tu t'es. Nukem, c'est je sais plus qui. Je l'ai, Duke Nukem Forever, je l'ai sur la PlayStation. Ah ouais, ouais, j'ai de. Bah, j'ai Duke Nukem Forever sur la PlayStation. Merde, dans la merde. Et j'ai Duke Nukem Zero Hour sur 64. J'ai bien. D'ailleurs, j'ai bien. S'il y en a qui me demandent, j'ai bien aimé l'épisode de JDG sur Duke Nukem Forever. Moi, je l'avais vu à moitié. Et alors, je préfère la version censurée quand même, parce que je n'aime pas trop voir des. Putain, la maniabilité. Pourquoi t'es tombé ? La maniabilité, franchement, non mais franchement, je fais ce que je peux, mais la maniabilité, elle est super chiant. Mais oui, on parlait de Romero, ouais, Romero, oui, c'est vrai quand même qu'il est... C'est quand même celui qui a révolutionné le jeu FPS, enfin, qui a créé techniquement le jeu FPS. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je sais pas combien de minutes on est, mais on doit être à beaucoup. Cette fois, tu vas affronter des. Oui, on va affronter des ennemis boniques. Bon, bah, c'est pas grave, on va s'arrêter là, nous. Eh bah, ça aura été un bon épisode, on est à 26 minutes. Ouais, on est à beaucoup plus que d'habitude. J'en ai marre, à chaque fois, on dépasse toujours la limite. Pas grave, au moins, voilà, on discute. Non, c'est bien. Mais le café rétro, de toute façon, c'est pour ça. Bah, un prochain jeu, on verra bien ce que c'est. De toute façon. On a le temps. Sachant que bah vous avez le choix. Alors en fait il y a plusieurs. Enfin c'est pas vous qui choisissez, c'est nous qui choisissons. Enfin c'est nous qui faisons en fonction de notre de ce qu'on. En fonction de ce dont on tombe sur notre petit programme. Après, si vous avez des jeux à proposer dans les commentaires, allez-y, faites-vous plaisir. Il y a le spécial arcade, il y a l'épisode sur Medieval. Non Medieval on l'a déjà fait. Dans Castlevania, le spécial arcade. Ouais. Il reste aussi le Mario Kart sur GameCube et puis après on verra, il y en a d'autres aussi. Ouais bah Mario Kart sur GameCube on essaie de le faire parce que. C'est vrai qu'il y a très longtemps on avait fait une vidéo sur Mario Kart. Extrait vidéo. Après, bon, la Wii, est-ce qu'on peut dire que c'est la même console? La Wii, elle est un peu plus puissante quand même. D'accord, si elle tombe le 3 ans, 5 ans d'écart. Tu l'as vu ou pas la vidéo de Stephen quand il l'a présenté? Oui, je la regarde. Elle est bien, hein? Bon, après, il présente juste. C'est vrai que ça date, hein, c'était en 4 tiers je crois la vidéo. Mais après aussi il y avait le let's play de Luigi's Mansion qui était aussi en 4 tiers. Ouais. Parce que l'émulateur de la GameCube était pas encore bien configuré. Est-ce qu'on ferait pas un remake d'ailleurs de Luigi's Mansion? Pas du let's play. Bah j'y réfléchis mais j'ai pas... Oui dans le sens ouais mais il est un peu... Je sais pas, je le trouve chiant à faire le premier Luigi's Mansion. Je l'ai fait une fois, je le refermerai pas une deuxième fois. Alors on essaie de se trouver un malin. J'allais dire, on essaie de se trouver un émulateur de Switch, on fait le 3, sauf que un émulateur. Ou alors un émulateur de 3DS, hein. Je peux l'avoir, hein. Ouais, moi, j'ai la 3DS. Le 2, hein. Ah bah oui, c'est. Non, mais le 2 il pue la merde. Le 2 moi, le 2, c'est vrai que. Le 2 il est. Ouais, alors, pas dire j'y, pue la merde, j'y ai rejoué il y a quelques années, c'est vrai que je l'aime moins. Je préfère vraiment le 3, je trouve qu'il est mieux. Moi je suis d'accord. Le premier ou le 3 est mieux, le 3 c'est quand même le meilleur. Bref, sur ce, on va s'arrêter là pour ce épisode. Merci d'avoir regardé. Allez vous abonner à la chaîne de Jérémy, le logo s'affiche ici. Et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. C'était Commandant Retro et c'était Nintendo. Bye tout le monde. Abonnez-vous, mettez la cloche.